slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour la course GTA V Online 2. Donc il faut juste que je change un peu les paramètres de son parce que j'ai pas de son en fait. Ils vont tous me rattraper mais comme ça, on va dire que le défi ce sera de tous les rattraper et de terminer la course premier. Donc la course s'appelle 2 Height 4, donc 2 Height 4. Mon accent anglais est vraiment à chier mais on s'en fout littéralement. Donc toi tu viens de te bouffer le pH, c'est super intelligent de ta part. Donc cette course est entièrement faite de sauts. Contrairement à la dernière fois, vous avez pu voir le backflip qui va passer peut-être. Putain. Ah. Le backflip, j'ai cru qu'il allait passer mais non. Dommage. Oui, contrairement à la dernière fois, j'ai une meilleure voiture un peu plus custom parce que j'ai réussi à passer quelques niveaux avec le petit glitch d'RP, mais vraiment pas grand chose. Là, on va retenter le backflip en prenant son aspiration. Il le voit même pas, donc son aspiration vient de partir. Toi, tu vas me... Oh non, je suis désolé. Oh non. Non, et en plus, j'ai loupé le point. Non, mais... J'ai poussé mon abonné. Ah, c'est pas très sympa d'avoir fait ça. Je suis désolé. Ah, c'est lui en plus. Regarde, il se venge. Et en plus, il est tombé dans l'eau. Non, mais là, je passerai pas. Le petit backflip et en plus, je tombe dans l'eau. Nickel, voilà, tranquille. Bon, bah pour terminer premier, je pense que ça va pas être maintenant. Hein. Je suis désolé pour ma voix aussi. Je suis malade en ce moment. Hein. Je suis gravement malade. Là on retente le saut, la descente, le saut, le backflip qui va peut-être passer crème. Attention, attention à l'explosion, attention à l'explosion. Et retomber sur les 4 roues, c'était juste magnifique. On continue sur cette lancée là. On va essayer de rattraper le 9ème qui se trouve juste là-bas, le point qui passe là. Voilà le petit virage en fin de course qui se termine à gauche. Hop, le petit drift qui passe crème. Ya, voilà, je suis un drifter, non, c'est pas vrai du tout, surtout avec une Zen Torno, surtout sur GTA V, je vois pas trop l'intérêt, mais on s'en fout. Alors là, on va prendre le petit virage, le gros virage tiré à droite. Voilà, ça passe crème, on passe le point, là, il va y avoir un saut, je le sens bien le saut. Vous le sentez, vous aussi, vous le sentez? Moi, je le sens pas, moi, je le sens super bien. Et finalement, le backflip, attention. Et, vraiment une catastrophe. Une catastrophe en termes d'art sur de cascade sur les voitures. Attention les conteneurs et la petite montée avec le grillage. Vous pensez que le grillage allait m'arrêter? Eh ben écoutez, non, le grillage ne m'arrêtera pas. Personne ne peut m'arrêter. La voiture, elle roule, elle a un moteur, elle a 4 roues. Et voilà. Donc tout le monde a quitté la partie. Je ne comprends pas. J'ai dû bugger. Je dois plus avoir de connexion internet. On s'en fout, on continue la course quand même. Non mais c'est quoi ça? Non. What the fuck? Non mais je vais pas terminer la course tout seul quoi quand même. Je suis premier sur premier. Bon, en même temps si je suis pas premier... Non mais il y a tout le monde qui a bugué. What the fuck? Tant pis, je mettrai les deux courses. De toute manière elle est pas très longue celle-là. Je mettrai les deux courses histoire que vous mariez un peu. Attention, le petit saut au-dessus du port. Le saut au-dessus du port. Attention l'héliport, il y a pas d'hélicoptère. Mais on s'en fout. Et... retomber en bref sur les 4 roues on va dire hein, parce que je suis pas réellement tombé sur les 4 roues mais on s'en fout. Là le petit grillage on le percute, voilà, t'es défoncé, t'existes plus, t'as jamais existé de toute manière. Voilà, on continue, je me prends les poteaux, les feux rouges, je les détruis, comme ça la circulation n'est plus arrêtée et comme ça c'est vraiment fluide et tout le monde va se casser la gueule, tout le monde va se rentrer dedans, c'est super intéressant. Bravo Virtuos pour ta générosité, franchement oui, merci, merci. Là attention, on va passer le petit saut au-dessus de la bibliothèque avec les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques. Oui, super, alors qu'ils sont en carton ces panneaux, mais on s'en fout. Attention le saut, et en plus je me casse la gueule. Super, franchement bravo, on continue comme ça, on continue dans cette lancée là. Alors on va repasser au-dessus de la bibliothèque avec ces faux panneaux photovoltaïques là. Alors, on pourrait carotte tout le monde au final hein, vous savez, je vous montrerai pas la technique, mais on peut carotte tout le monde. Donc là, j'ai été déconnecté du Xbox Live. Non. What the fuck.
Bah écoutez, je vais laisser quand même cette petite partie de vidéo. Je vais reprendre une autre partie de vidéo avec mes abonnés. Bah on se retrouve tout de suite après. Eh bien, re les amis, donc bah je sais que cette petite course vous a plu, en tout cas j'espère. Bah, je dis ça sans certitude, mais bon. Alors j'ai pas pu réaliser une deuxième course, donc je m'en excuse. Il n'y aura qu'une seule course. Vous pourrez lâcher tous vos avis dans l'espace commentaire si vous en voulez d'autres. J'ai renommé la série comme ça, les folles courses de Virtuose épisode 1 ou des trucs comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit partage, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, mes abonnés, bah moi j'ai été déco plusieurs fois du Xbox Live, donc c'est pour ça que j'ai pas pu refaire une vidéo. Après j'ai eu énormément de problèmes de PC, j'en ai parlé sur Twitter et Facebook. Mais enfin bref, c'est réglé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah voilà, on se retrouve dans très très bientôt pour une nouvelle course de ce genre. Allez, ciao bébé tout le monde.